le matin. Réfléchis pendant que nous prenons les paroles, bon Dieu, matin. Lecture qui est déjà faite pour nous dans Romains chapitre 8 et les 18 premiers versets, il était libre à Sœur Mélise. Donc, nous parlons surtout Chita dans seulement verset 1er que nous tous connaissons. Alléluia. Romains 8, verset 1er. Il y a donc maintenant aucune condamnation de ceux qui sont en. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Parole bon Dieu, prêchez chaque jour, j'en m'en dis, mais malheureusement, on est avec vous, nous pas retenu, nous pas quitter le fait effet que le temps de faire, ou bien impact que le temps de faire dans la vie. Nous. Et qui fait chaque jour, nous, parole obligée à continuer prêchant dans l'église, nous obligés à fermer au bord de quatre murailles pour que nous chita. Et prêcher parole bon Dieu, ce que nous devons faire, surtout aller de yoyo, parce que c'est mission première, tout chrétien, aller chercher, aller de toutes les nations, faire les disciples. Mais lorsque nous fermons au bord de quatre murailles, moi je suis sûr et certain que tout le monde qui est assemblé là, c'est des gens qui ont déjà accepté Jésus la terre. Et c'est comme monde là qui pourquoi accepter Jésus comme sauveur et maître de l'assemblée. Je ne vais pas exiger pour faire ça, mais si comme monde comme ça, Je t'aime, l'église, ouais, et connaît que vous pouvez accepter Jésus. Est-ce qu'il y a des gens là, matin, qui peuvent accepter Jésus? Amen. Donc, tout le monde qui est là, c'est des gens qui déjà dans Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est pour les gens qui ont parlé matin. Amen. On va parler pour les gens qui sont dans Jésus-Christ. Nous sommes dans Romains, chapitre 1er. Nous disons que le livre Romains, c'est un livre que nous tous connaissons, qui est écrit par l'apôtre Paul. C'est une plus longue épître que l'apôtre Paul a écrit pendant qu'il était en voyage missionnaire à Corinthe. Il est écrit vers les années 55 à 66 après Jésus-Christ. Donc, et nous joignons dans le passage ça, l'apôtre Paul prend le temps, surtout dans chapitre 8, chapitre 7, pour la parole de la loi et de la grâce. Alléluia. Donc, il y a un peu de monde qui entre dans la confusion avec ce qui apôtre Paul Jean fait approcher de lui-même dans chapitre 7, avec Jean lui fait approcher de lui-même, Jean a parlé de l'évangile dans chapitre 8. Et ça fait tout, la parole de Dieu n'est pas seulement au câble, il y a un verset, il y a un passage, il y a un chapitre, et puis pour dire, mais sa parole, bon Dieu dit, et puis sans contextualiser, c'est pour. Vraiment, les paroles, c'est pour vraiment maîtriser chaque chapitre et jusqu'à ce que bon Dieu permette à ce que nous sommes capables de comprendre plus ou moins qui s'arrive les dit de paroles. Nous sommes tous matins, c'est que nous avons chita dans verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Moi, je suis matin, moi-même personnellement, je chaque monde qui connaît, moi-même, je dis que je suis libéré en Jésus-Christ. Je suis libéré en Jésus-Christ. C'est sur le qu'a dit je suis libre en Jésus-Christ. Comme on le dit, je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Nous libérer dans Jésus-Christ. Nous parlons donc que nous avons souligné dans le premier verset ça que nous lions. D'abord, condamnation. Et ensuite, nous voyons ouais, Jésus-Christ. Ça n'a pas péché que nous devons parler maintenant tout. Mais d'abord, en Jésus-Christ. Alors pour maintenant, l'apôtre Paul parle de maintenant, c'est parce que j'aime tout de l'Italia. Dans le chapitre 7, là, où l'apôtre Paul qui posait lui-même comme homme pécheur, homme qui a vécu sous la domination du péché, qui a vécu selon la chair. Il parlait de homme Chanel, homme qui lui-même, peut-être parce que c'est le péché qui domine, qui fait que lui vive selon la chair, lui pas gagné, amen. L'Esprit, mon Dieu, pas gagné pouvoir sur lui. C'est ça qui fait l'apôtre Paul traverser le chapitre 8 là, pour lui dire il y a donc maintenant. Parce que le bagage a envie de changer. Si autrefois le péché était dominé, si autrefois le péché était capable de faire tout le bagage, si autrefois le péché était capable de faire que lui pas capable, alléluia, quitter l'esprit éveillé, lui quitter le capable côté péché, vous voulez mener, puisque lui est esclave au péché. Et toutefois que au monde c'est péché qui a dominé, c'est péché qui a maintenant, ou esclave au péché, ou pas libre, ou sous la domination du péché, ou condamné dans le péché. Donc, dans le chapitre 8, l'apôtre Paul a commencé. Chapitre 8, il dit Pounya,
So, si le défini dit dans le chapitre 7 là, que il était sous domination péché, il était sous condamnation péché, maintenant il dit Kounia. Ça fait il dit maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Bref. Donc, condamnation que nous tous connaissons, c'est une sentence, c'est une décision de justice qui est même capable de condamner au monde qui peut être au monde capable d'emprisonner pour payer peine, qui oblige au monde à fermer ou bien emprisonner dans conditions pour capable de payer peine. C'est ça, une condamnation. Donc, condamnation, c'est une décision de justice qui permet à ce que le monde capable de juger ou bien capable de permettre à ce que le monde paye pour sa vie fait qui mal. Disons que le monde vole un cabri, et bien le juge estime que comme vole un cabri, on doit passer 18 mois en prison, donc on est condamné pour faire 18 mois en prison. Alléluia. Donc le monde détruit le monde, ou font un acte criminel, donc si la loi dit, mais ça, le monde dit, mais combien de temps il doit faire en prison, mais qui ça doit payer comme peine, et bien condamnation pour lever selon ça la loi. Dit. Donc nous ne pouvons pas parler de condamnation si pas bien la loi. Et c'est la loi qui permet à ce que nous connaissons qu'il est un péché. C'est la loi qu'il faut identifier que ça à ça n'est pas bon. Et c'est la loi qui dit que eh bien, ça nous fait, mais qui ça nous pour payer pour lui. C'est ça qui fait l'apôtre Paul bouquet parler de la loi avec la grâce. C'est différent ça qui gagne, qui est aussi simple pour action que vous connaissez. C'est que la loi Moïse, dans l'aide nous identifier problème, il fait nous avec un péché, il montre nous une grâce là, mais il n'est pas effacé, il n'est pas nettoyé. Alors que la grâce est venue pour nettoyer aussi simple que ça. La grâce, c'est la faveur que Dieu fait nous. Pour ça, la loi de Moutrou, là, qui c'est péché, hein? Mais pour l'aider, là, c'est qu'il efface, il leve, il ôter. C'est ça le sang de Jésus fait. C'est ça le sacrifice sanglant à la croix, te permettre pour moi et ma mère, pour ma terre. Donc, condamnation sont actes pareils. Donc, même si en pile fois ça arrivait qu'il y a des pays, surtout dans des pays moins avancés, ou dans des pays côté que, et, n'a qu'à dire qui, petit pays, yo, où je veux que condamnation qu'on fait sans pour autant que nous n'avons pas jugé. Vous voyez, donc mon nan konn en prison pour il fait 6 ans en prison, mon nan pour que jambe paraître devant juge naturel. Ça veut dire que mon nan pour que jambe présenter pour dire mais pour qui ça que accusé. Le démarre mon nan, ça non arrive à la police ça fait soit comme mon vide mourir dans zone là. Soit au dit mon ça on mon dit le sur le dit voler faire toi ou bien voler banane ou voler cabri. Donc on dit que mon dit voler pas de banane. Même si on a fou ça, même si la loi t'a voulu bonne n'importe sentence, il va pas condamner pour 6 ans pour pas de banane. Hein? Alors que dans le pays, nous, ça fait, nous ne voulons pas de banane, nous arrêtons. Et pourtant, nous avons fait 6 ans en prison, il ne faut qu'on jamais juger. Il ne faut qu'on jamais juger. C'est ça qui fait qu'en Angleterre, on est venu avec sa relève bias corpus. Donc, souvent, dans des mots, ça a répété son terme juridique qui permet à ce que, eh bien, Léon, nous sommes en prison. Disons que nous sommes. Il fait un bagage, son téléphone est dévolé, le peine qu'il a dû payer la loi, mais il a payé le téléphone, c'est fait 6 mois en prison. Alors que les gens qui sont en détention préventive, ça veut dire en prison, ou bien en garde à vue, ou bien en garde à vue, ou bien en garde à vue, en mettant en pénitentiaire, carrément, sans pour autant que les gens ne peuvent pas juger. Mais la loi, ça a une possibilité pour que, et bien à ce qu'on pose, ça a une possibilité pour que les capables de libérer. Sans pour autant qu'il n'est pas obligé. Parce que l'IPE est même plus que ça. D'ailleurs, l'État a dû dédommager. Disons que mon peine pour téléphone, c'était pour 6 mois, alors que mon a été 5 ans en prison. Donc l'IPE est plus que peine qu'il est le pays. Mais ça va être là, non? L'injustice sous la terre, les hommes toujours ont une force côté. Même ici, aux États-Unis, qui ne parlent pas les fois, que des fois, il y a des bagages qui passent. Et après, il y a un compte que des gens qui ont fait. Soit arrêter quelqu'un, soit remettre quelqu'un en prison. L'histoire raconte que monsieur qui était tout. Alors, il a arrêté un monsieur, deux messieurs, qui ont dit qu'il était tué Malcolm X. C'est après plus que 30 ans, il a joué que ce n'est pas tout le même violon. Il a joué pas même. Malheureusement, il y a un adulte qui est mort en prison. L'autre, lui-même, il a dédommagé combien de millions de dollars. Donc, il était justement arrêté. Ça veut dire que c'est pour nous dire la justice, les hommes, là. Toujours gain partialité, toujours gain erreur, tout puisque pas bah, rien qui fait avec mais l'homme qui est capable de parfait. Contrairement avec côté nous là nous-mêmes, puisque on a parlé de monde qui est en Jésus-Christ. Alléluia. On a parlé de monde qui est au même sauvé. Alléluia. Qui est en Jésus-Christ pour nous? Rapidement, si nous avons dit, frère Maxime, qui est là, eh bien, apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, que nous sommes clairs sur condamnation.
condamnation que nous avons parlé, l'apôtre Paul dit, c'est que péché te condamné. Alors la loi te permet à ce que péché que nous faisons, lui montrer pour te condamner nous. Mais maintenant, la grâce qui est la venue de Jésus-Christ, lui libérer nous, lui affranchir nous. Ça fait nous pas qu'à parler de affranchi, nous pas qu'à parler de liberté, nous pas qu'à parler de libre, ça ne pas parler de Jésus-Christ parce que pas qu'un l'autre monde qui peut mettre à ce que moi avec nous libérer, pas qu'un l'autre monde qui peut mettre à ce que moi avec nous pas condamner encore, nous pas condamner. Si nous a dit il y a donc peut-être aucune condamnation ou foutu ou pas c'est à côté parce que sous pas si ou pas dire en Jésus-Christ c'est que ou style condamné parce que la loi est toujours condamné pour ça on fait pas bon, mais grâce à Jésus-Christ. Grâce à Dieu, lui voyait petit de Jésus-Christ sur la croix, et qui était d'accord pour lui passer en état ça comme d'homme, pour l'accepter toute souffrance, lui blesser, lui clouer sur la croix, et même grâce à la mort et sa résurrection, lui fait que moi-même avec vous maintenant, nous libérer, nous pas esclaves encore. Donc, on a, qui ça veut dire en Jésus-Christ? Eh bien, allez. Nous tous qui la connaissons, la parole, bon Dieu dit, de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nous. Nouvelle créature. Donc, si nous sommes dans Jésus-Christ, si nous sommes dans Jésus-Christ, oui, nous sommes l'autre monde. Nouvelle créature, ça, c'est pas créature, ça, qui n'a parlé, il est pour nous, qui nous est sous qui couvrir, moi-même, là, c'est pas des lui qui a parlé. Donc, parce que la créature ancienne, c'était la créature que nous avons trouvée en Adam. Et en Adam, l'Adam, c'était le premier homme, pas un seul homme, le péché a entré dans le monde, qui est Adam. Donc, c'est pas Adam que des anciennes créatures, ça, mais par Jésus-Christ qui lui-même vini, qui d'accord, mourir et ressuscité, moi avec vous, nous venions nouvel homme. Mais Jésus a parlé avec Nicodème pour dire que vous avez besoin d'aider de nouveau. N'aider de nouveau, ça fait ma soeur, il n'y a pas de dire pour entrer dans votre maman pour le refaire, c'est ça que Nicodème te pose Jésus question. Mais comment moi-même qui finis vieux, je suis entré dans votre maman pour le refaire, Jésus a dit non. Son parole, ça a été dépassé en tant que humain. Il était dépassé en tant que Nicodème. Nicodème n'a pas ta compagnie. Mais né de nouveau que Jésus-Christ ne pas parler. Il veut dire que ben, faut-il bien qu'on soit une nouvelle créature. Ou un nouveau acte de naissance. Ou un nouveau maître qui c'est Jésus de Nazareth. Nous acceptons Jésus-Christ. Nous témoignons la bouche que nous acceptons Jésus-Christ. Et le baptême même qui sont actés prouvés qu'il y a tout le monde, que c'est ceux-là qui acceptent Jésus-Christ et qui d'accord plonger, alléluia, dans la mort avec Jésus-Christ et qui d'accord lever. C'est signe baptême même. Ça fait même trouver qu'on monde ou converti ou dérefuser baptisé. C'est comme si vous dérefusez le monde qu'on convertit. C'est comme si vous dérefusez le monde ou accepter Jésus-Christ, ou accepter mourir à Jésus-Christ, ou accepter la mort à Jésus-Christ dans la roue et pour ressusciter avec donc pour la même forme là. La dit ou pas qu'à tout en Jésus-Christ parce qu'on a 10 ans et l'église est beaucoup prêt pour baptiser. Ou pas qu'à dire en Jésus-Christ parce que on dans l'église toute qualité bagaille côté gain dans vieille nature que apporte pour la paille là comme l'homme péché, l'homme chanel là ou style menel. Et si nous disons en Jésus-Christ, faut-il bien que ça ouais à l'œil nu que nous tous apparaissons comme étant tel étant si là qui dans Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ. Donc nous pas capable d'être dans la même nature, dans le même comportement, dans le même monde que nous sommes. Maintenant, quand il y a Jésus t'a approché à disciples pour te dire mais qui j'en bon monde fait pour suivre ou mais qui j'en bon monde fait pour dans Jésus-Christ. T'es qu'un petit plein. Et vraiment un petit plein. Et j'ai l'impression juste à présent même avec vous. Même si nous pas plein, mais nous faisons réticent tout parce que les conditions qui pour faire que ou en Jésus-Christ, les conditions qui pour faire suivre Jésus-Christ. Alors c'est tout en Jésus-Christ veut dire qu'on suivre Jésus ou avec Jésus ou non Jésus. Quel que soit le nom de Dieu, ou en Jésus-Christ ou avec Jésus-Christ ou suivre Jésus-Christ ou que Jésus dans la roue. Donc quel que soit le nom de Dieu. Maintenant qu'on y a en Jésus-Christ, les Jésus t'a dit avec les disciples, il dit dans tout l'évangile et si on allait précisément dans Matthieu chapitre 16 verset 24, il dit si quelqu'un veut me suivre. Si quelqu'un veut me suivre, et puis mes conditions. Il va avoir la condition que nous sommes capables d'énumérer le nombre de trois étapes. Qu'il renonce, alléluia, qu'il renonce à lui-même, blier lui-même, vider lui-même. Donc si quelqu'un veut me suivre, quand il va aller à nous freiner là-même, qu'il renonce à lui-même. Donc si même avec vous voulez suivre Jésus, il faut que nous oublions tête, il faut que nous oublions le moi. Nous pas capables de battre l'estomac, nous pendant ce temps nous disons à suivre Jésus. Ça qui fait Emmanuel, l'église a dit que eh bien, c'est pour nous mettre tout ça qui gêne nous à terre pour nous capables de faire mettre nous plaisir. Mettre tout ça qui gêne nous à terre, c'est renoncer à nous-mêmes.
Parce que les bagages que nous gagnons, mes amis, frères, maxime, yo, vraiment fou, ça, ils gênent nous pour nous suivre Jésus. Il y a des conditions de vie qui nous amènent, ils gênent nous pour nous suivre Jésus. Nous, avec vous, nous connaissons déjà que nous n'avons pas besoin d'énumérer. Il y a des attitudes que nous gagnons, ils gênent nous. Il y a des niveaux orgueils que nous gagnons, ils gênent nous pour nous suivre Jésus. Il y a des dimensions monde que nous gagnons, il y a des gens que l'homme Chanel a animé nous, nous vivons toujours dans un vieil homme, ça, les gênons pour suivre Jésus-Christ. Ce sont pour qu'on renonce. Il y a des gens qui renoncent. Apôtre Paul dit qu'il renonce avec les gens qu'il était déjà. Il renonce parce qu'en plus, il fallait le faire bien, c'est mal qui vient derrière, parce que c'est Chanel qui a mené. Laissez cette chanalité à capter, chaque fois, il veut faire bien lui-même, c'est mal qui vient derrière. Et bien, pareil, parce que ce n'est pas difficile pour le faire. Parce que la vivre dans le corps Chanel, la vivre dans le monde Chanel. Nous avons besoin de renoncer. Les gens qui veulent suivre Jésus, les gens qui veulent être en Jésus-Christ, nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. C'est fermer les yeux, nous avancer. C'est fermer les yeux. C'est le premier bagage que nous devons faire. C'est ça, Jésus dit à les disciples. Premier bagage que nous devons faire, si nous voulons suivre nous-mêmes. Si quelqu'un n'est pas d'ici pasteur, non, il dit si quelqu'un n'est pas d'ici prédicateur, non, il dit si quelqu'un. C'est-à-dire n'importe où, quelqu'un sali, indéfini, n'importe où, petit ou grand, vieux ou vieillard, jeune, whatever l'âge qu'on y est, whatever niveau qu'on y est, niveau intellectuel ou baba qu'on y est, ou besoin, renoncer. Renoncer, ça fait me sentir rapidement pendant ma parole là, ça fait me sentir, mais si mon intellectuel raffiné, je te crois dans sa philosophie de dîme, philosophie montre dans dîme que, mais alléluia, pour de l'eau, tout du vin, faut-il bien que nous avons une condition chimique qui pourrait réunir, mais même renoncer à moi-même, moi jeter connaissance philosophique ça. Alléluia. Donc, dans l'entendement humain, dans la philosophie monde, il dit qu'alléluia, depuis que mon mourir, il mourit net, et surtout si mon a passé 3 jours, il passe 4 jours, c'est fini pour lui. Maintenant, moi, jeter philosophie ça. Moi, renoncer à moi-même. Comme si ça me te connaît, apôtre Paul dit, tout ça me te connaît, il garde comme la boue, comme fracas, comme un yé. Et c'est ça là, le renoncement. C'est ça même nous besoin comme renoncement, frère et soeur. Il dit, non seulement pour nous renoncer à nous-mêmes, mais c'est pour nous charger nous de croire, nous. Alléluia. Et pour nous charger de quoi, ça veut dire, nous oublier nous-mêmes, maintenant nous allons croire qu'on y a. Pourquoi? C'est parce que, depuis accepter Jésus, nous devons commencer dans Jésus. Pourquoi? C'est parce que, depuis accepter Jésus, nous avons un flash qui fâche dehors, même j'ai une lumière qui brille. Maintenant nous avons un flash qui fâche dehors, et qu'à sûr vous vous arrêtez, qu'à sûr vous jetez que nous sous chemin, qu'à sûr vous vous avez un problème sous chemin. Nous avons entendu pendant deux mois, nous vivons en place pendant 20 ans, nous vivons à l'aise. Deux jours mariage, ils ont pété. Parce qu'il a fait condition que Christ m'a dit qu'il veut suivre Jésus. N'importe petit bagage qu'on fait qui réunit les conditions pour suivre Christ là, ou que tu crois même parce que ou qu'on lutte pour entamer. C'est un nouveau combat pour entamer. C'est un nouveau bataille pour entamer. Ou proposition pour travailler pour Christ, ou proposition pour clean l'église, ou proposition pour venir n'importe qui bagaille. Ou besoin toute qualité de persécution pour ma. Ou besoin chaque jour de ça. Ou à suivre Jésus, non suivre Jésus, ou à non soi ou même, ou dit faut-il bien que vous êtes musicien pour Christ, vous êtes musicien qui a joué dans l'église pour Christ, donc d'accord avec même, ou à jouer le monde qui a gardé n'importe qui gens. Mais moi-même, je conseille aux frères et soeurs, fermez les yeux sur les bagages, chargez-vous de croire, chargez-vous de connaître Christ ou à suivre, pas quitter le chien qui a jappé derrière, pas vieux yeux regarder pour t'en dire, vieux voix qui comme lion, hein. Parce que le palion vrai, pour vivre sur garder, parce qu'on va suivre Jésus. Et c'est l'attitude, ça a vos besoins. Chaque jour, les croix. Chaque jour, quelle que soit la persécution. Pour occuper aussi mon camarade dans la nuit, la journée. Pour occuper mon mari quand même malade et mourir dans la main. Ou pour obliger vous à regarder parce que c'est quoi, ou à poter. Pour occuper même si vous perdez du travail, ou pas perdre du travail, ou parce que pour les bons jours, vous parlez. Ou qu'a pas dit, alléluia, pour son courrier, parce qu'on pas d'accord off ça. Ou pas d'accord, alléluia, comme garçon, pour ces garçons qui intéressent. Ou qu'a pas dit position dans le travail. Ou qu'a pas dit, alléluia, à l'époque, contre le taillé. Ou qu'a humilié contre le parce que c'est quoi, ou? Parce qu'on a suivi Jésus. Ou besoin d'accord. Il doit être comme ça même. Et c'est ça qu'il doit renoncer à vous-même et changer le quoi. Et then, maintenant, vous qualifiez pour suivre Jésus. Ou marcher les yeux fermés derrière maintenant. Ou marcher les yeux fermés derrière Jésus. Parce que ce n'est pas vous qui avez mené tout. C'est Jésus qui a mené. Et de vous renoncer à vous-même, vous n'avez pas besoin de vision pour marcher derrière Jésus. Amen. De vous oublier tout, vous n'avez pas besoin de vision. Apôtre Pierre marchait sous l'eau. Jésus dit à Apôtre Pierre, viens joindre moi.
Après tout, il a marché sous l'eau, il ferme le ciel, il pliait tout le bagaille, la marché, elle commençait à avancer. Oui. Mais immédiatement, Pierre songeait lui-même, Pierre pliait renoncement ça, Pierre songeait lui-même que le monde ne va pas marcher sous l'eau, Pierre rapidement rappelait que le pas qu'à marcher sous l'eau, Pierre songeait à lui-même, mais rapidement, Pierre est envoyé la charrier, la tombe. Tombé. En plus, fois même avec vous, la chavé, la tombé, c'est parce que nous songeons nous-mêmes. Nous songeons, mais ça est impossible. Nous songeons que ça n'a pas fait comme ça. Nous songeons, mais qui ça condition au dédit. Nous songeons, mais qui j'ai pour mon cas ici. Nous songeons, mais qui condition pour réunir pour mon résidence. Nous songeons, mais qui condition pour réunir pour mon vie pasteur. Nous songeons, mais qui condition pour réunir pour mon génération. Nous songeons toutes conditions. Alors, que nous oublions si nous laquons nous, si nous remettons à mettre là, si nous renonçons à nous-mêmes, et si nous chargeons quoi nous, tout bagaille ça, au Dieu a fait. Nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. Nous avons besoin de briller nous-mêmes. Nous avons besoin d'abandonner nous et remettre nous-mêmes. Admettre là, pour être capable de suivre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ce n'est pas ça l'abdabé là. D'ailleurs, ça me remet dans le passage là. Apôtre Paul n'a pas dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à l'église. Il n'y a pas dit non plus, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour les pasteurs. Et ça qui fait moi-même là dans le tout. Si le dit pasteur, on n'a plus rien. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Toi, même si tu es jeune, même si tu es vieux, même si tu es bel garçon, même si tu es laid garçon, mais pour un Jésus-Christ, pas de condamnation pour vous. Il n'y a pas besoin de social. Il n'y a pas dit pour moi qui est belle machine. Il n'y a pas dit pour moi qui est belle taille. Il n'y a pas dit pour les gens qui connaissent. Il n'y a pas dit d'ailleurs c'est pour les gens qui connaissent. Je ne vais pas te moi-même. Il n'y a pas dit pour les gens qui sont riches. Mais il dit pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus-Christ. Il dit, moi-même, rapidement, pour me donner le passage là, je suis obligé de questionner. Mais est-ce que moi, Jésus-Christ, pour me connaître pas les condamnations pour moi, pour ne pas connaître qui ça quand Jésus-Christ avait dit, et puis rapidement, je vais commencer à manger un troisième pour ne pas condamner encore. Amen. Ça même. Et c'est ça la parole de Dieu qui fait comme il fait dans la vie. Nous devons questionner tête nous à la lumière de la parole de Dieu. S'il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, ben s'il demande qu'elle dit pour les pasteurs, nous devons retirer comme, parce que nous sommes pasteurs. S'il demande qu'elle dit pour les diacres, nous devons jeter. S'il demande qu'elle dit pour les gros bishops, nous devons retirer comme dans le coin. S'il demande qu'elle dit pour les riches, nous devons jeter plus loin. S'il demande qu'elle dit, alléluia, s'il dit pour les garçons, en force, là. Et maintenant, il dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est le monde qui est en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, il veut dire que c'est le monde qui chargeait de sa croix. C'est le monde qui a suivi Jésus. C'est le monde qui renonçait complètement et qui a suivi Jésus. Nous prenons le temps pour renoncer. Nous sommes fait dans l'église, mais nous sommes beaucoup en Jésus-Christ, malheureusement. Par contre, les gens te comprennent. Par contre, on se comprendre pour entrer dans le porte en Jésus-Christ. Il est trop facile. Si n'est pas un qui a entré dans le porte ça en Jésus-Christ, il est trop facile, Père Maxime. Donc, pas besoin de quoi encore, pas besoin de charger de sa croix. Donc, si en Jésus-Christ veut dire que des bouts de convivine là, des bouts de tape la foyer de percé le bon chaque dimanche, il est trop facile. Et m'a même posé des questions, si pas la démon qui a même mis le vous servir à corps pour le percer pour lui. Parce que depuis que tu as percé en Jésus-Christ, tout tu as percé, et que vous avez acheté des bagages pour continuer à percer 4 dans la caillou. Et vous avez la jambe de pied là, tu as percé 4. Parce que si percé 4 veut dire Jésus-Christ, non! Si personne qui a fait ce monde qui paye 10 seulement, eh bien, si tu avais ce monde qui paye l'argent, qui contribue pour construire ce temple qui a fait le bon Jésus-Christ, il y a un monde qui a vendu une machine, qui a vendu un caillou pour au bail corps, pour capable de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on a 16 ans, même nous-mêmes qui là, qui n'a pas même une chance même, parce que tu as fait un monde qui est venu, tu as fait un monde qui est venu, tu as fait un monde qui est venu, qui vient payer l'argent pour Jésus-Christ. Mais non, il n'est pas arrêté là seulement, il dit c'est pour renoncer à vous-même. Oubliez vieux ou même goya. Oubliez vieux ou même vieux chef, vieux taureau goya. Et puis chargez-vous avec quoi? Toute humiliation, même Jésus-Christ était chargé de quoi là? Il était prêt à humiliation, il était prêt à souffrance. De quoi même c'est ça? C'est pour charger. Qu'un bel là, c'est pour continuer à marcher avec lui, pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est pour nous-mêmes, effectivement, nous faire preuve. Que nous sommes nous qui sommes Jésus-Christ. Et pour nous-mêmes, frère Maxime, nous besoin nous questionner tête, nous est-ce que nous réellement c'est là-haut qu'en Jésus-Christ. Et pour nous-mêmes, nous, chaque jour, garder autour de nous-mêmes, qui ça nous manquait faire dans le renoncement.
qui ça nous kembe toujours, qui ça nous kembe dans ce monde que nous payer, qui ça nous kembe dans vieil homme que nous payer, qui ça nous kembe. S'il dit pas qu'il y a condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, eh bien, qu'on y a là, est-ce que moi-même, moi, Jésus-Christ, est-ce que moi-même, pas qu'il y a condamnation pour moi? Alléluia. Mais la parole de Dieu dit, dans Jean chapitre 8, verset 36, il dit, étant donc justifié, étant donc, alors, la parole de moi qui est Jésus-Christ, pour moi qui est dans Jésus-Christ, eh bien, vous avez toutes les choses. Ou gagnez toutes choses. Premièrement, vous gagnez la liberté qui c'est, ça nous vient dans Jean chapitre 6, verset 33. Depuis nous ceci là, quand Jésus-Christ, nous gagnons, lui dit, alléluia, pour tout le monde qui est Jésus-Christ, nous gagnons premièrement, ça aurait les justices là. Étant donc justifié par le Fils, vous serez réellement libre. Pas justifié par personne d'autre, par le Fils, qui c'est Jésus-Christ. Donc nous réellement libres. Donc pour y aller gagner là dans Jésus-Christ, c'est que nous avons liberté ça. Nous pas esclaves encore. Ça c'est le premier bail. Nous, depuis Christ l'a franchi nous, depuis Christ l'a croix franchi, elle s'est libérée. C'est rendre nous, alléluia, sur tes conditions, sur tes condamnations, sur tes condamnations sur la vie, ou tes condamné pour telle ou telle chose. Maintenant, on libérer puisque Christ l'a franchi. Libéré, c'est un peu son avocat qui est venu plaider pour vous. Il dit, mais non, et client, ça n'est pas carré dans la prison parce que, d'après l'article 7, verset 38, il dit que eh ben, tout le monde qui est devant le cabri, d'après toi, il peut sortir en prison. Donc, client, non, il y a une possibilité pour que libérer, etc. C'est travail, ça, Jésus-Christ fait pour vous. Les libérer même avec vous. Mais puisque libéré, depuis Christ l'a franchi nous libérer, nous réellement libres. Amen. Et si son coup, c'est que passant, on pense que libéré pour vous libérer. C'est Christ là qui libère qui réellement. Amen. Mais en plus de ça, nous te connaissons en Jésus-Christ, non seulement nous réellement libres, mais parce que nous, en Jésus-Christ, son package. Son package que moi-même avons, nous avons un film exploré quand c'est pas allé dans. Amen. Nous avons un film exploré quand c'est pas allé dans Jésus-Christ, non? Nous sommes une histoire de Jésus-Christ et de la femme samaritaine, non? Yes. Hein? Mais dire que ça souffre de l'eau, ça, soit pour ne pas jamais passer. Alléluia. Ça veut dire que Jésus-Christ a goûté de l'eau de bouboule, tout, soit pour ne pas jamais passer. Ou pas jamais soif encore. Ou pas jamais grand encore. Ou pas jamais besoin d'argent dans mauvaise condition encore. Ou pas jamais besoin de fouet moins encore. Ou pas de fouet encore. Soit pour ne pas jamais passer. Soit ou pas grand goût encore. Ou pas égaré pour rien encore. Ou pas pendant pour rien sous la terre encore. Parce qu'on remplit déjà. Ou brûlez l'eau ça. Ou remplit déjà. Ou chargez. Ou blindez. Tout pile bagaille en Jésus-Christ. Yes. Il chargez moi. Donc en Jésus-Christ, même si c'est effectivement, ou peut quoi ou absoubler. Même si effectivement, ou qui dit ou l'on se oublie et fait bagaille. Mais ça nous joue comme avantage. Yo, yo dépassé. Ok, ça nous dépité derrière. Yo, yo dépassé. C'est mon nom, pas j'aime soif encore. Moi, même si nous t'accoupons pas comme l'eau, ça n'a pas chaque jour. Combien de copes nous dépensons dans l'eau? Nous avons tout pas j'aime encore. Nous allons appeler acheter 15 l'eau encore. Mais là, le haut de là, c'est pas de l'eau, ça que moi-même avec quoi boire, mais son l'eau qui lui-même mettait dans nous-mêmes qui fait que, mais ou même pas sous terre, ça c'est vrai, même sous notre corps, ça c'est vrai, mais ou pas au monde qui peut égarer, ou pas pendant pour rien dans le monde, ça, parce que vous satisfait déjà. Christ satisfait déjà, Christ remplit déjà, Christ remplit même sur notre tout problème, même sur notre toute difficulté, mais Christ déjà comblé. Amen. Alléluia. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ça qui veut dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout bagaille a fini après. Dès que vous êtes en fin de royaume là, ou qu'il y a justice pour Dieu. Royaume là, on n'est pas un royaume où il y a un roi qui domine, quel que soit côté du royaume. Un roi qui est là. Ou pas l'autre, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils. Dès que vous êtes le Fils dans la roue, et bien vous avez tout le bagaille qui vient. C'est sous gap sous vous. Il y a marché derrière vous. L'histoire à côté, il y a un millionnaire, un multimillionnaire, qui était lui-même même fait collection d'art précieux, la carrière. Il y a vraiment, vraiment plus d'argent, il y a plusieurs. Jet privé, il gagne toute qualité machine de luxe la caille. Mais il surtout remet faire collection d'or, il achète un pile tableau, tableau de grand prix, tableau cher, etc. Tableau qui est gros nom, parce que nous connaissons un tableau. N'importe magie, les gens ont fait la dame. Les cassinifs font pile bagarre, tout dépend de qui c'est la dame. Vous voyez ça? Donc, nous avons un tableau là, il est belle, on l'autre nèg qui c'est, par exemple, Picasso, qui nous font tableau, il tout l'aide, mais puisque c'est Picasso qui s'y a le tableau, ça a quand même un million. Donc, il y a toute qualité de tableau, ça, ou la caille. Mais il y a un seul petit garçon. Et dans un côté de l'habité, il vient gagner pour petit garçon faire une question et zéro militaire, il y a une question militaire. Mais pendant petit il y a une question militaire, malheureusement, il y a une guerre qui est éclatée dans le pays.
Donc petit n'a pas capoté, pas qu'à tourner l'objet dans la guerre là, right? Puisque il fait partie comme militaire là, l'objet dans la guerre là. Donc pendant petit dans la guerre là, petit là a fêté, a tiré, a bataille, bataille, bataille. Et puis petit là, il y a un soldat, un soldat qui est zamil, il voit qui parle tomber dans le piège, ou qui parle gomboulet, qui parle tirer sur lui. Puis là, rapidement, lui-même comme soldat, il a épargné l'autre soldat pareil, il a pour ne pas tomber dans ma boulette ça. Malheureusement, lui-même, il prend la boulette là. Les mourir. Donc, mes amis, hein, et les gens qui sont responsables comme Amiya, ils disent, mais bon, puisque c'est vous-même, monsieur, qui avez sauvé, et vous avez les paniers, et puis qui fait les mourir, donc nous avons chargé pour aller à papa nouvelle là, parce que nous ne connaissons pas les en pile. Nous ne connaissons pas les mêmes en pile. Donc, comme c'est vous qui avez sauvé, nous avons chargé pour aller à papa nouvelle là. Monsieur dit, pas de problème. Mais monsieur, son artiste, les amis, hein, ils sont artistes, ils ont fait peine. Mais un artiste qui va gagner, non. Maintenant, il dit, bon, parle qui je la faisais devant mon papa. Là, il faut un tableau qui a une image petite là. Je dis, ça, c'est bon, ça, il y a une photo de tout le bagage. Là, il faut un tableau qui a une image petite là. Et puis, il a marqué le fils là-dedans. Il a porté le pour papa. Effectivement, il fait ça. Il arrive avec papa. Il dit, papa, malheureusement, et le fils, il est allé. Il est tombé dans la guerre là, puisqu'il est dans la guerre. Tout le bagage arrive. Donc, il est tombé. Et j'étais là, vraiment triste pour mes godos, comme tout ça. Et exactement, puis, il doit tomber. Le fils est tombé. Donc, Nous fait tableau ça en signe de reconnaissance pour capable toujours garder petit soir sur mon terrain mais en pile. Donc nous avons tableau à papa a crié effectivement mais recevoir tableau. Papa a tellement gardé tableau précieux parce que puisque c'est tableau petit lui c'est visage petit lui c'est le fils. Il a tout tableau de la Kali, il mettait tableau ça en tête. Il mettait dans l'air en tête. So ne pour nous entrer la Kali pour mettre tableau ouais c'est lui même. Et les bons venir à Kali lui dit ouais mais tableau le fils. Mais le fils ouais le fils allait. So papa a commencé à calculer sur base à chaque jour tableau il doit m'avoir dans ma tête il met dans l'air il tourne il vire so parce que tenait même petit en son seul petit et puis chaque côté papa il malheureusement il mourit maintenant papa mourit quelques mois après et puis après fait il en vente aux enchères de tout bien papa a gagné pour monde capable venir prendre et bien papa a gagné venir acheter tout le monde venu, etc. Tout le monde est sous quartier à l'autre côté venu, mais qui vient à 3 millions de dollars, mais qui vient à 200 millions de dollars parce que vous connaissez, il a acheté jet, il a acheté maison, papa, il y a plusieurs maisons de l'X, il y a plusieurs machines de l'X, etc. Il va l'acheter, mais nous venu. Et au Chita, maintenant, qu'on est là, mon qui est à peu près, c'est le nous enchaîner là, les tableaux, ça, qui m'a fait le fils là. Il dit, combien de monde qui est intéressé à le fils? Personne ne va aller venir. Il vire combien de monde qui est intéressé à le fils? Personne pas les mêmes. Personne pas intéressé à tableau le fils parce que ça c'est du rabia. Ça c'est quand même. Bien mon tableau qui m'a sans ce pour là. Qui mon tableau ça? Tableau ça pas Picasso, tableau ça pas Pingo, tableau ça pas John Fong. Tableau ça pas aussi des gros noms qui qu'on écrit qui a tableau ça. Et puis il a refusé. C'est combien de monde qui intéresse à les fils n'a pas dit n'a continué combien de monde je dis monsieur mais pas chaud passons aux choses sérieuses mais nous prenons pas paquet de bagages viens avec nous on attend là nous venons à la jeune pour acheter ou acheter les fils j'ai trouvé mon mari qui est dans l'assemblée qui était seulement 10 dollars alors malheureux ça l'idée une dans monde qui a travaillé dans champ avec papa qui t'en a occupé de rager bagage à papa et puis il dit bon il y a 10 dollars donne les fils pour 10 dollars. Et maintenant, au vote aux enchères, si vous avez 10 dollars, vous avez 11, vous avez gagné. Pas un bon monde qui décide de vous payer même 11 dollars pour le tableau de fils. Donc personne ne va intéresser vous payer même 11 dollars pour le fils. Vous voyez, personne ne va. Monsieur dit 10 dollars pour le fils. Nous ne pouvons pas faire ça. 10 dollars pour le fils, premièrement. 10 dollars pour le fils, deuxièmement. 10 dollars pour le fils. Jusqu'à ce que vous ayez sur 5 pas un bon monde qui décide même payer 11 dollars pour le fils. Monsieur décide de payer. Citoyen, personnel là, tableau, et bien le fils, M. Pratidola, etc. Et puis, dès lors, ouais, M. a payé bagage, rentré, etc. Nous a dit, mais ça, on va passer mon jouet, on attend là longtemps, et pour finir de ma tableau là, et puis, pour finir de ma tableau là, et puis, pour nous appuyer. M. a dit, mais tout est fini. Mettre là, avant de mourir, il te dit, tout bagage, il y a là, il y a n'importe qui est le, les fils. Dès pour mon accepter les fils, dès pour mon acheter les fils, ou bien tout notre bagage, alléluia. On a pu voir nous quitter le fils, nous chercher l'autre bagaille, ça qui fait nous pas gagner l'autre bagaille.
Et puis, pas oublier le fils, nous parlons de 10 dollars pour le fils, nous parlons de 11 dollars pour le fils, nous parlons de 100 dollars pour le fils, nous parlons de 1000 dollars pour le fils, parce que nous avons notre objet d'ailleurs. Nous comprenons ce objet d'ailleurs, la jeune, mais nous ne pas compte condition ça qui te dit, dès que le fils, l'autre bagaille va venir. Parole de Dieu dit nous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et l'autre bagaille va venir, jeune, frère Maxime. Nous avons ignorance, nous, ou bien un manque de connaissance, nous, des dieux. N'a cherché l'autre bagaille que nous pensons qui est qui nous pensait qui est important puisque nous toujours à vivre dans non vieil homme noir. Nous plus focus sur notre bagaille, nous plus focus sur machine de luxe, nous plus focus sur gros maison, nous plus focus sur notre gros tableau que nous yo, mais nous oublions ou bien nous pas connaît si c'est pour qui le fils l'autre bagaille tout pour vous automatiquement acheter le fils ou tout acheter tout l'autre bagaille. Alléluia. Comme action nous sagesse divine m'a dit pour que nous connaît. Est-ce que réellement nous avons le fils dans la vie? Est-ce que réellement nous avons une grosse qui fait nous pas plus de soif encore? Donc si réellement nous avons le fils dans la vie, nous rapidement, nous automatiquement, si là, qui parle dans la condamnation en matin. Et c'est le monde qui a apporté pour la parler. C'est le monde même qui a Jésus-Christ. C'est le monde même qui a le fils. C'est le monde qui a accepté de charger de sa croix. C'est le monde qui a accepté n'importe quelle condition ça y est. Lui-même dit faut me souvenir dans mon crayon. C'est le monde qui a accepté pour suivre lui. C'est le monde qui a accepté pour le transformer. Alléluia. Pour le peuple, parce que Christ transformé et qui admet que amen, vieil homme liant, alléluia, il est une nouvelle créature. Il n'est pas capable de vieil homme. Et c'est le monde ça qui qualifie pour ne pas de condamnation. Par contre, si tu es trompé ou par contre, si tu es erré ou tu comprends que tu es pour ce monde qui a vu l'église souvent ou pas de condamnation pour vous. Ou bien, si vous oubliez ça matin, vous le rappelez que dès que vous êtes si là qui est dans Christ, dès que vous êtes si là qui a suivi Jésus, dès que vous êtes si là qui fait volonté, mais vous n'avez pas de condamnation pour vous. Parce que vous avez le Fils dans la vie. Nous négligez le Fils en quelque fois. Nous négligez le Fils. Non seulement les gens qui doivent négliger le Fils, mais ça triste que dans pile monde qui entre dans l'église et qui néglige le Fils parce que vous croyez en voyant c'est vrai. Ça arrive tristement que dans pile monde qui est dans l'église, mais qui ne pourra jamais renoncer. Il y a toujours des gens qui ont été déjà, depuis même avant de convertir, il y a des gens qui ne pourront pas laver, ils ont filé tous les bords. Ils ont still été dans le même comportement, ça, malheureusement. Donc nous avons besoin de fils. Nous avons besoin de fils qui pour affranchir nous, qui pour transformer nous, qui pour transcender nous, et qui pour faire que nous sommes une nouvelle créature réellement. On a fini pour nous dire que, effectivement, nous jouons la vie de David. David tout même dans son 23. Ou bien David tout que malgré Jean s'atteignait pour lui, malgré l'étendant d'ombre de la mort. Hein? Il dit pendant la marche sur route là, même si tu es dans l'ombre de la mort, mais il dit t'es éclairé chemin, ou t'es conduit, ou t'es levé dans le sentier de la justice. Donc moi-même avec vous, Frère Maxime, nous avons besoin qu'on ait personne d'autre monde pas calé dans la dignité. Personne d'autre monde pas qu'à faire que nous ne pas condamner encore. Condamnation même avec le sien déjà. Malfaiter bon la caille, nous condamner nous pour ne pas avoir une résidence, pour ne pas marier, pour ne pas avoir une petite dame, toujours vivant. Elle toujours travaille contre nous-mêmes. Il n'y a pas de gens pour qu'elle travaille. D'ailleurs, même si nous technologie avancée, il y a même tout notre technologie pas avancée parce que il y a pas de médecine sous nous. Il y a pas de médecine sous nous. C'est pas parce que j'en ai l'homme, mais on va faire contre nous-mêmes. Donc, pile dans nous-mêmes qui sommes dans l'église, malheureusement, peut arrêter vite pour frapper nous. Parce que pas dans le fils, nous justement dans l'église. Nous pas affranchis vrai, nous pas libres vrai, nous condamnés toujours. Et c'est à vous des gens qui montaient camionnette là et qui toujours étaient à 5 ans sous tête, puis toujours. Mais n'oubliez si nous devons reposer sous dos, mettre la fado nous, toute qualité bagaille nous, fado péché nous, chaîne nous, tête chargée nous, tracas nous, tout le monde nous. Nous devons porter au bout, non. Nous devons battre contre nous. Nous pas quitter le fils affranchis nous. Nous pas quitter le fils lui-même, les mêmes. Nous ne pas quitter Christ réellement contre Dieu. Les gens qui jouent Jésus, ont été enchantés. Il dit, vive de tout ça, la péché, la Jésus des jeunes. Alléluia. Péché, la Jésus des jeunes. Il dit, quand tu es rempli avec misère. Ça veut dire, la Jésus des jeunes, quand tu es rempli avec misère, même si je n'ai pas une machine de luxe, mais quand il est riche. Quand riche, c'est ça même pour dire, après, c'est que si les gens étaient jeunes, nous avons vu le sang à plaisir, mais quel est rempli avec misère, ils ont une vie misérable. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ont vécu une vie misérable. Il y a des gens qui ont pile l'argent, mais qui ont vécu une vie misérable.
Les misérables dans l'esprit de leur cœur, les tourmentés, les ne pas dormir bien, les mecs, ou pas, les gens même semblent là, ils se font dire, les gens même semblent là, quand même. Nous plus semblent là, les gens, et alors, ouais, moi, je suis un riche. Je suis riche, tout. Mais, les gens, où est ton, où est mon nom? Les gens, pas semblent là, 10 dollars, alors que les gens, des millions. Parce que, laissez-nous, laissez Jésus dans la rue, laissez Jésus qui a franchi dans la chambre, pour réellement libre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Même avec mon bénéfice fort personnel, je le fais. Nous venons l'église, c'est important et c'est bien. C'est à louer. Nous qui et toute qualité bagaille pour marcher l'église dans la condition que l'église m'a dit. Il vraiment à féliciter. Mais l'essentiel que nous devons questionner, est-ce que réellement c'est le fils que nous gagnons? Est-ce que réellement c'est Jésus que nous suivons? Est-ce que réellement nous sommes là qui a Jésus-Christ? Dès que nous sommes là qui a Jésus-Christ, nous l'avons pour nous répéter à la manière d'apôtre Paul. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ce qui nous dit. Que le Seigneur vous bénisse.